Salut, c'est Thomas Huviller. Je suis gagnant du triathlon de Genève l'an passé et je vais essayer de te donner 2-3 conseils à toi qui va participer à ton premier triathlon cette année. Alors dans cette première vidéo, on va s'intéresser à la natation. Au niveau du matériel, il ne faut pas grand-chose. L'indispensable, c'est les lunettes de natation et aussi une tonique polyvalente avec laquelle tu vas pouvoir nager et puis aussi pédaler et courir par la suite sans avoir besoin de te changer. Les lunettes, place-les sous le bonnet qu'on va te donner. Tu vas voir, au départ, ça castagne un peu et si tu les perds, tu verras que dalle et tu risques de te retrouver à Évian ou pire encore, à Lausanne. Au niveau de la tenue, l'idéal, c'est une trifonction, une pièce. Mais si tu as un short proche du corps et t'enfiles un t-shirt en zone de transition, ça peut le faire. Au niveau de l'entraînement, ce qu'il faut vraiment travailler, c'est la technique du crawl. En natation, la différence, elle se fait vraiment au niveau de la technique. Et là, rejoindre un club et suivre des cours au début, ça aide. Aussi, c'est important de s'entraîner de temps en temps en eau libre et d'apprendre à regarder devant soi en nageant. S'il y a un truc que je te déconseille, c'est de faire ton triathlon avec un short de vélo. Alors déjà, avec les bretelles, tu auras l'air d'un plouc. Et en plus, avec l'eau, ça va s'imbiber et je pense que ça va plus t'irriter que protéger ton entrejambe. Si tu veux mettre en pratique tous ces conseils, je te donne rendez-vous le mardi 11 juin à 18h30 devant le bain des Paquis. C'est un entraînement en commun et c'est gratuit. Il te suffit juste de prendre ton matériel.